Wesh les gars, mais il est beaucoup trop tôt, il est 5h53, comme vous pouvez voir, j'ai pas dormi la nuit, tout simplement pourquoi mon monteur il m'a envoyé la vidéo, l'épisode 2, que vous avez vu certainement, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, il me l'a envoyé à 17h30 heure française, pour la poster à 18h30 heure française, sauf que le problème, c'est qu'à 17h30 heure française, il est 4h30 en Australie, et du coup bah j'ai pas dormi. Si je veux me coucher maintenant, je vais me lever à midi, 13h, 14h, et j'ai clairement pas envie de foirer ma journée les gars. Donc voilà, je suis là, on va se réveiller gentiment. Il est 6h, le soleil se lève, et je voulais juste, voilà, profiter que les deux oies vite dorment encore, qu'on parle un peu entre nous. Premièrement, on risque d'aller acheter les 1000 euros de tickets gratuits. Ça fait une heure que la vidéo est sortie, vous avez déjà mis 12 000 pouces bleus en une heure. Donc, il y a moyen que ce soir, en fin de journée, nous allions acheter 1000 euros de tickets gratuits australiens, ce qui est totalement délirant. Bon, sinon vraiment, à part ça les gars, programme de l'art maintenant. Tout de suite la journée, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller faire les courses, le magasin ouvre à 7h du mat, je crois. Je vais aller acheter des entrecôtes, des pignons de poulet, de la viande. Je veux de la viande, j'ai faim. On va faire un barbecue. Mais let's go pour cette journée de folie en tout cas. Et de toute manière, je vous emmène avec moi partout aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Bonjour. Ok les gars, on est parti pour l'étape 1 avec Loïs. Aller faire les courses pour faire le barbecue. On a à peu près, je crois, c'est 1 km à faire pour le magasin. Sauf que le problème c'est que la route, elle est ça comme frère. Je vais vous montrer. Vous allez dire ouais doc, ah mais on voit pas, c'est du plat. Attendez, je passe l'appareil au sol. Vous voyez le bail ou pas? Du coup, on est déjà essoufflé. Je suis un gros moi les gars, j'ai plus la forme pour ça. On se recap là-haut, par dans quel état on est. Je suis au bout de ma vie les gars, Loïs il commence à me distancer. Attends moi gros, fais pas ta pute. On est arrivé, on l'a fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est une... Ok les gars, on est reparti. Parce que si on est chargé, le sac est plein. J'ai au moins 10 kilos dans le sac. J'ai 2 litres de jus d'orange. J'ai 3 entrecôtes de bœuf, 3 côtes de bœuf. On a le whisky toujours là, lui tient le pain. Très chargé, voilà. Il fait le pain, il est très chargé. Et on est parti pour rentrer à la maison pour un petit barbecue matinal de 9h du matin. C'est la purge. Il dort encore. On est parti faire les courses. On a acheté plein de viande, on a acheté plein de trucs. On t'a acheté des croissants et des petits pains si jamais t'as faim. Et aussi les gars, sur la route je vous ai pas dit. Regardez ce que j'ai. Ça les gars, c'est des billets de 50. Voilà, 50$, il y a 1000$ dans ma main à l'instantané. J'attends vos 100 000 pouces bleus. Ça fait 3 heures que la vidéo est sortie. On est actuellement à 25 000 pouces bleus en 3 heures. Je pense qu'il y a moyen. Donc on a préparé le coup. Et si jamais ça se fait, bah on le fera ce soir. Et voilà, on a trouvé déjà une OP, vous verrez ça dans la vidéo de demain. Et Inch'Allah on devient riche, hein. Bien évidemment, on espère tous. Ok, c'est parti les gars. Viens voir, viens là, viens là. Tu sais ce que c'est, un produit barbecue? Ouais, produit barbecue, c'est un mec qui fait du poulet comme ça, tu vois. Ah ouais? Ah bref, on laisse ça cuire les gars, on a plus important à faire. Vas-y, viens là-bas, tout se passe ici. Comment bro, comment? Venez. On a 3 belles côtes de bœuf. Attends. Avant toute chose, on va préciser quand même qu'il est 9h13. Ouais, ouais, ouais. À chaque fois, les barbecues, on les fait le matin, de toute façon. Il est 9h du mat, notre petit déj, c'est quoi? Voilà. C'est de la côte de bœuf. Attends, comment il fait? T'as mis 10 fois trop de sel. T'inquiète. Ah, y'a un truc, hein. En vrai, je suis chaud. Ouais, y'a un truc, y'a un truc. Tac, tu la retournes et tu reviens. Là, tu changes un peu, tu vois. T'arrêtes de plier comme ça, t'es plus comme ça. Un petit mouvement circulaire, linéaire. Un peu d'herbe parce que les herbes, c'est la vie aussi. On lui tapote les fesses comme ça, on la ramasse un peu. C'est important, un bon massage de viande, tu vois. Et là, on va se péter la gueule. A few moments later. C'est parti les gars, il est très tard. Voilà, on a rien fait de la matinée, bah je mangeais. Là on est un peu à la bourre. On va aller prendre le ferry, on part sur la plage de Manly. C'est une plage qu'on nous conseille depuis 2-3 jours apparemment en Australie, qui est une plage plutôt pas mal. Du coup on va aller checker ça. Il y a plusieurs plages sur Manly. Il y a la plage de comment ça s'appelle, Shelly Beach. Et la troisième c'est quoi? Non, un truc comme ça. Enfin bref, et du coup nous on va à Shelly. C'est ça, on va à Shelly Beach, qu'apparemment le point de vue est insane. Et il y a un coucher de soleil dans le coin qui est pas dégueulasse, on m'a dit. Donc on va aller checker tout ça, on va passer l'après-midi à la plage, on va essayer d'aller se baigner, d'affronter quelques requins. Du coup voilà, c'est parti, pas trop. This is the more expensive ticket, $20. Yes. 50 tickets of this please. $1,000. $8 les gars, on tient parole. Voir tes beaux petits billets qui vont disparaître. Voilà. $1 de billets australiens. On espère au moins doubler. Thank you. It's the same, yes. Ok. Nice. Have a good day. Bye. Bye. Mais qui c'est fou là? J'ai l'impression d'avoir acheté un journal frère. Ouais. Qu'est-ce que t'allais me demander là du coup? Combien je parle anglais tu t'appelles? Pour combien je parle anglais tu t'appelles? Ça lance des probas au calme les gars. Si t'appelles tu t'appelles, tu peux commencer. 19h. Ok, proba 4. 1, 2, 3, 2. Merci. Ok, prêt? 1, 2, 3, 2. Yes. Tu disais ça va toi? Tu veux bien travailler là? Yes, sure. L'arrivée à Manly. Aïe 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 aïe.
si je vais dans l'eau, quoi. Dans l'eau. 5 minutes. Entièrement habillé. Yeah. During 5 minutes. Just 5 minutes. And I can speak French. Donne ton sac, donne ton téléphone. Alright. En vrai, je crois qu'on a été méga sympa. On a dit qu'il allait te baigner, mais on a jamais parlé serviette, par contre, pour sécher. On est d'accord. T'as pas entendu parler serviette, toi, Loïs? Non, on a pas entendu parler serviette. C'est moi qui ai sacré les serviettes. Il y a un truc que t'as oublié de préciser. On a jamais parlé de serviette et tout le bordel dans le deal. Hein. On va aller remettre des tongs, on va y aller, on va pas t'en faire. Bye bye. T'as pas voir la serviette, hein? Ouais. Ok. Ils sont beaux. On les voit bien. Regarde, ils vont vers les plongeurs en plus. C'est ça qui est ouf. Hein. Yeah. Yeah. Ah ouais, waouh. T'as vu comment il saute, Doc? Bon les gars, je sais même pas d'où ce qu'on en est du coup parce que bah, je sais même pas ce qui s'est passé. Mais vous avez dû voir les spots qu'on a découvert avec Anna du coup, c'est ça que j'ai pas expliqué qui c'était. Mais c'est la personne qui est venue nous maquiller pour les Croton Game Show. Vous avez vu le Croton Game Show Halloween, c'est elle qui nous avait maquillé. Je vous mets son Insta là sur 4 pizza les gars. N'hésitez pas à les checker, ça fait plaisir. Elle nous a fait découvrir des spots de ouf comme vous avez dû voir, on a vu des dauphins et tout. De malade, j'avais payé une excursion pour 200 balles pour voir des baleines et des dauphins. Là on se pose juste sur un rocher totalement free, là on voit quoi? Des dauphins. Ouais, trop nul. Normal. C'est des dauphins au Grand Prix, voilà. Et du coup elle nous a dit il y a un putain de spot de ouf pour voir le sunset, le coucher de soleil en gros comme ils appellent ici. Elle nous a dit commander des pizzas, c'est des vraies pizzas faites par des vrais Italiens, c'est les meilleures pizzas d'ici. Allez vous poser sur les rochers là-bas pour voir le coucher de soleil, ça va être énorme. Du coup bah on y va, on est parti, on attend le Uber, on va se poser et on espère que tu fais. On va aller voir ça. Ouais, bon appétit les gars. Bon appétit. Ouais merci. Bon appétit au cadreur. Bon appétit.